Moi, dis un grand bonsoir, bonsoir mes chéris, bonsoir tous les amis Michou. Je dis c'est Michou qui entre dans Kala juste pour partager avec nous une nouvelle vidéo pendant que m'a dit un grand merci avec tous nos nouveaux abonnés moi yo. Ou même qui c'est un ancien abonné nous dit un grand merci pour façon que ou toujours là ou supporter nous dans channel là. Je dis une vidéo que moi pral présenter avec nous, nous pral apprendre ensemble comment que moi préparer un tartre au poulet. Tartre au poulet, c'est une recette qui est vraiment goût si que ou fait de façon que moi dis là ou pas regret. Ou capable tout en faire à n'importe viande. Moi même moi fais pas au poulet, ou capable utiliser n'importe viande juste pour capable en faire tartre ça. Qui ça que moi t'ai besoin juste pour moi t'ai préparé masse là puisque moi t'ai grand temps préparer masse pas maintenant m'a juste dit nous tout ingrédients n'a besoin juste pour nous capable préparer masse bien facile et simple. Ou a besoin farine, ou a besoin beurre, ou a besoin un jaune zé, ou a besoin un petit cuillère pour élévation. Ça c'est pour 2 tasses farine, ou a besoin un petit pincé sel, un petit pincé sucre, ou a besoin un petit lait, un petit de l'eau, mélanger ensemble après ça et diluer sucre ensemble avec de l'eau en pincé et puis ou passer farine après ou mistolal avec beurre. Là que ou racher beurre mettre dans farine ou pétril ensemble avec point d'eau après ou ajouter jaune zéa après ou juste mélanger pour d'élévation et puis ou juste mouiller. Là que ou fin mouiller ou ployer en bas un papier plastique et puis ou mettre au repos pour environ 30 minutes après juste pour capable servir ensemble avec lui. On a l'état les masses femmes ensemble avec moi en forme non comme ça pour nous capable continuer reste vidéo à mes chéris. Yo, kounya la ki sa ke nou pral fè. Kounya la nou pral pase avèk montaj talt nou. Nou te gen yon form ki demontab, mwen peti remen itilize sa yo paske yo fasil, jist pou kapab retire reset. E pi, nan pou mette yon ti farine la, se jist pou masmen li menm li pa kole nan sou tabla. Mwen fè le fè 2. Et puis, je vais l'ouvrir. Je vais mettre ma sang reposer pour environ 30 minutes. Et puis, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. C'est comme ça que je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Là, je vais prendre un plateau. Je vais essayer de mesurer pour moi si la bon boule. Nous, la bon boule. Je vais faire juste pour faciliter. Je vais mettre ma sang dans le plateau. Kasir kon sa et puis m'a mette fòm nan bali nou wè konman mas lan li menm li vreman roule vreman liz et puis m'a mette mas la an dedan ni et puis lè wè mette mas an dedan fè an sòt ke jist pou ou desann li byen desann paske dè li pral pran du fè pou li kapab egal ansanm avèk fòm nan sinon nan pou li desann net nan fòm nan m'a pran jèl. Bien rangé. Et puis qui ça que moi a fait, m'a prend moule moi et puis m'a capable couper. Couper à ribord. Moi quand on coupe bien facile. On m'a vite tiré. OK, nous avons commandé vraiment belle. Pour la qui ça que m'a fait, m'a pris un pointe, fourchette et puis m'a foulatine. M'a balon petit piqué là dans mi-temps, une façon à ce que l'ail là dans du fait pour lui pas gonfler et peut-être ça yo piqué lui dans mi-temps mes bébés. Dans la lame fin pique qui ça m'a fait m'a pas ajouté un petit fromage nous bien recommandé sorti là vraiment belle parce que nous on n'a pas ajouté fromage dans mi temps capable utiliser fromage que ou remet c'était bon Dieu voyons mon nous aujourd'hui à là pour manger avec nous et puis ça c'est face mais en temps faire les gens que moi t'ai dit non moi pas quitter les trop dit. Je n'ai pas ajouté face là, non,
m'étonne. Si on va aller comme ça, dis mes bébés. Ok, ma chérie, ça c'est un viande que j'ai fini d'aller en dental avec moi. Qui ça que ma femme m'a ajouté fromage en l'air. Moi, j'ai un peu chauffé le fromage là, environ 5 minutes, mettre là. Et puis tout sous 180 degrés. Je vais mettre environ pour 20 à 25 minutes dans le four. Je vais mettre le fromage en l'air. Le fromage là, il est bien crémeux. Mani. Et puis, qui ça que moi a fait? Qui ça que j'ai fait? Moi t'ai fait des bandelettes Noël. Nous capable faire un l'autre, nous capable bouler encore même genre avec premier ça que moi t'ai roulé à nous juste couvrir ou bien ou capable faire des bandelettes juste pour capable couvrir tal toi. N'importe comment que moi même t'ai grand faire des bandelettes et plutôt juste m'a capable couvrir tal moi. Et comme ça que m'a m'a fait des bandelettes parce que nous ouais un peu comme ça toi. Ok mes chéris, ces gens que nous ouais là moi fini tresser. Nous fini tresser lui après ça c'est tiré taille qui t'est resté puis tu me fais petit petit. Oui, c'est là, c'est là, j'ai tout petit petit. Et puis, ça, c'est un jaune d'œuf. Moi, je prends ma page, j'ai un petit lait là-dedans, tout petit. Je fais un petit mélange lait. Et puis, je vais mettre un petit citron là-dedans juste pour désinfecter. J'ai une nouvelle là. Parce que je ne sais pas si j'ai un centre. Des centres là. Et puis, je prends un pincel. Et puis, je vais le dorer en lait. Juste, je vais le balayer en bon couleur. Jaune. Et peut-être ça, nous dorer en lait tout le temps. Je vais nous dorer là. Je crois que moi, je dis nous tout le temps vraiment goût parce que face à moi, goût en pile. Pas négliger, dis-moi qui sent que moi, mettez non pas mettez. Pas négliger, dis-moi si vidéo utile non. Pas négliger, partager avec un ami non, juste pour nous aider Chanel à lui-même augmenter. Comme ça, la belle Michou, famille la belle Michou a continué de dire non. Merci, mes bébés. Je vais vous faire un peu de temps. Je vais vous faire un peu. Et puis, je vais juste mettre le four là pour environ 20 à 25 minutes. Après, je vais tourner pour vous montrer. Non. Ok, mes chéris, ça c'est le résultat en tarte au poulet moyen. Je vais comment qu'elle est bien belle. Elle est sortie en belle couleur, bien dorée. J'ai que moi te dit noir c'est qu'on s'allier qu'on a que nous pral couper tarte noir. Ah, si nous besoin ouais comment moi fait tarte dans blender nous capable toujours mander et puis m'a montrer nous comment moi fait tarte dans blender. Moi apprendre faire tarte dans blender au Brésil parce que moi pas connais faire li Haïti. C'est ici là que moi vinn apprendre faire tarte dans blender. Nous ouais comment lié vraiment vraiment belle. Je nous vois là. Et il sent si bon, mes chéris. Pas besoin de dire. Mais quand il m'a l'air net, il bon petit recette m'a porté dans la chaîne là pour nous. Si nous aimons les recettes, nous sommes capables de toujours dire que nous aimons yo. Comment que les nous faisons, nous prenons comme yo goût. Alors, c'était la belle Michou. N'apprends encore, mes chéris, dans une autre vidéo. Mais pense que les gens qui te demandent des recettes, ça, la capable de dire comment les est-ce qu'ils les remènent. Et puis, si il fait, la capable de résultat. Ciao, 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 mes chéris. N'apprends encore, dans une autre vidéo. Pas oublier, j'ai la belle Michou, elle même li déjà censé prêt. Et puis, c'est tout à fait gustoso. Ciao, ciao, dans une autre vidéo.